La présidence du parti exécutif national remercie et félicite les combattantes et combattants pour leur mobilisation générale pour la journée du 31 juillet 2024. Cependant, ayant levé l'option d'une remise et reprise pacifique, après le désaveu généralisé du député national Augustin Kabouya de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS, la présidence du parti annonce le report de la dite activité. La présidence du parti exécutif national informe l'opinion qu'une session extraordinaire de la convention démocratique du parti sera incessamment convoquée par le bureau de cette dernière, conformément aux dispositions statutaires, afin de régler définitivement cette question de remise et reprise pacifique dans le strict respect des textes du parti. La présidence du parti exécutif national réaffirme le désaveu du député national Augustin Kabouya de sa qualité de secrétaire général et informe de son déferrement à la Commission nationale de discipline depuis le 14 juillet 2024. Ainsi, elle invite la base à rester vigilante. La présidence du parti exécutif national rassure les combattantes et combattants de la prise en compte sans faille de leur volonté clairement exprimée et les appelle à faire pleinement confiance à la haute autorité de référence. J'ai cité Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ainsi qu'à l'exécutif du parti. Faites à Kinshasa le peuple d'abord. Le 30 juillet 2024,